Philippe le roi à Beaulieu est parti faire un tour à Londres. Et pour cause. Elle a assisté à un match de tennis avec sa fille Thaïs, le 16 juillet 2023, lors du tournoi de Wimbledon. Quand elle n'est pas sur les plateaux de tournage, elle profite tout simplement de la vie. Loin de ses petits camarades de la série Emily in Paris, et de son personnage de Sylvie Gratteau sur Netflix, Philippe le roi à Beaulieu se trouvait récemment à Merton, dans la banlieue sud-ouest de Londres en Angleterre, pour assister au tournoi de Wimbledon. Passionnée de tennis, la comédienne était effectivement allée s'installer en tribune lors d'un affrontement de titans, le dimanche 16 juillet 2023. Philippe le roi à Beaulieu s'est rendu au stade en charmante compagnie. L'actrice de 60 ans était effectivement installée juste à côté de sa grande fille, Thaïs, fruit des amours passés de la comédienne avec le documentariste et metteur en scène Richard Bean. Large sourire, toutes dents dehors, mère et fille forment un duo chic et choc. Et difficile de ne pas voir, sur cette photographe, une ressemblance troublante entre les deux. Hier, Wimbledon avec ma Thaïs, écrit l'acolyte de Lily Collins, et ex-compagne de Santiago Amigorena, pour mettre l'image en contexte. Ce n'est pas la première fois que Thaïs Bean fait une apparition en public. Elle avait récemment suivi sa mère sur le tapis rouge lors de l'avant-première de la saison 3 de la série Emily in Paris, organisée au Théâtre des Champs-Élysées à Paris le 6 décembre 2022. À propos de la série Netflix, Philippe le roi à Beaulieu sera prochainement de retour sous les traits de Sylvie Gratteau. La saison 4 a été signée et annoncée en même temps que la troisième, en janvier 2022. La date de mise en ligne est en revanche inconnue. Elle serait prévue pour la fin de l'année 2023, mais la grève des scénaristes américains, débutée en mai 2023, pourrait avoir des répercussions. En termes d'histoire, on sait seulement qu'une partie des 10 épisodes inédits se déroulera en Italie. Amusant. Quand on sait que Philippine le roi à Beaulieu a passé son enfance au pays de la botte, jusqu'à ses 10 ans, là où son père Philippe connaissait le succès, lui aussi en tant qu'acteur.